C'est son droit vu son office. Autant nous vivons, c'est pourtant bien triste de ne pas rentrer dans ce sou. Si encore ils étaient pour nous. Mais les gens du roi nous prennent tout. Quand c'est pas la taille, c'est la gabelle. Les gens du roi, vous voulez dire les gens du cardinal? Chez qui donc que ça brûle? Ils sont tous fous. Un homme d'église. Monsieur de Chalais, dont la tête est tombée au 29e coup. Comme l'abbé Grangier, qu'on n'a même pas étranglé. Avant de mettre le feu, comme le seigneur de Bouteville et des Chapelles, pour avoir tiré l'épée en place royale. Comme monsieur de Montmorency, dont la mort fait pleurer tout le Languedoc. Comme Mallette de Main, le capitaine de Saint-Paul. Mieux valu qu'il ne voit pas ça. Lui là-bas, c'est le bourreau. Tant de sévérités sont inutiles. Ce pauvre saint Preuil. Dois-je rappeler à votre majesté qu'elle pouvait accorder la grâce? Vous en auriez montré du chagrin. Je fais tenir un texte à la gazette. Montrez. Son éminence eut fait de grandes instances pour la grâce de ce gentilhomme si les considérations de l'État ne prévalaient toujours sur ses affections particulières. Et cela pour avoir massacré quelques Espagnols au mépris d'une convention. Je n'aime pas votre manière. À vous lire, enfin... À lire Renaudot, il suffit que vous ordonniez pour que j'obéisse. Si vous réclamez la grâce que je leur ai accordée. Le roi m'entend mal. Je ne vous entends que trop bien. Je ne veux pas que l'horreur qu'inspire une répression nécessaire retombe sur vous. Le ministre peut être haï, pas le roi. Jolie façon d'affirmer que je vous dois l'affection de mon peuple. J'affirme seulement qu'il faut me laisser le mauvais rôle. Inutile de vous le laisser. Vous le prenez bien tout seul. Vous ne mesurez pas l'extrême misère de mon peuple. Les jacqueries sont éternelles. Pas avec des bourgeois et même des gentilshommes à leur tête. Nous avons dompté la Guyenne. Mais le feu se rallume en Normandie. Nous avons besoin d'argent pour faire la guerre. Quand on n'a plus d'argent, on arrête la guerre. Depuis la prise de Brissac et nos dernières victoires, le royaume n'est plus en danger. Traitons. Pour obtenir un bon traité, il faut encore se battre. Pour obtenir un bon traité, il faut encore se battre. N'est plus un couplet, c'est un refrain. Avez-vous recherché la négociation avec d'Olivarès? Il ne veut rien entendre. Refuse notre maintien en Lorraine. Faut-il martyriser 20 millions de Français pour en acquérir 500 000 nouveaux? La Lorraine est indispensable à notre défense. Vous auriez donc toujours raison, et contre tous. Tous. Or, votre majesté. Recherchez la paix. Je m'y emploie. Avec l'esprit de ne jamais y parvenir. Sire. De tous côtés. Les hommes et les femmes les plus dévoués à notre cause nous supplient de mettre fin à la guerre. Je suis persuadé de la bonne foi des entours de votre majesté, mais je crains qu'ils s'entendent peu dans le gouvernement de la chose publique. Vous jugez les gens que j'aime. Libre au roi d'aimer qui il veut. Encore heureux que vous l'admettiez. Mais l'affection n'est pas la politique. Monsieur le cardinal, nous avons passé l'âge de recevoir des leçons. Dieu m'est témoin. Et vous faites plus que nous donner des leçons. Vous cherchez à nous dominer. Non seulement dans le conseil... Mais dans notre maison. Je sens bien qu'on cherche à me perdre. C'est vous qui perdez les êtres les plus chers à notre cœur. Dès qu'un gentilhomme sait nous divertir, partager nos pauvres joies ou nos tristes secrets, vous n'avez de cesse que de l'éloigner. Je n'aspire qu'au bonheur de mon roi. Votre tyrannie ne se limite pas aux hommes. En eux, vous voyez peut-être des compétiteurs. Mais les femmes, que vous avez fait par exemple, mademoiselle de Lafayette, c'est vous, par les voies les plus tortueuses, en dominant son confesseur, vous l'avez amené à se retirer dans un couvent. Mais elle se sera sans doute effarouchée devant la passion de votre majesté. N'allez pas juger de mes passions, quand les vôtres vous conduisent à faire tenir votre maison par votre nièce. Le roi l'estime assez pour avoir érigé en sa faveur un duché péri. C'est une faiblesse. Non, n'allez pas juger de mes passions quand les vôtres distraient la cour et la ville.
Vos goûts sont si divers. On vous voit chez la Marion Delorme. Et vous mettez tant de rudesse à surveiller la reine qu'on murmure que ma femme ne vous inspire pas moins que ma mère. Si le roi pensait ce qu'il dit, il ne me conserverait pas aux affaires depuis bientôt 18 ans. Mais si je m'étais trompé depuis 18 ans. Si votre majesté s'était trompée, elle n'aurait pas sauvé le royaume de l'invasion. Domptez les grands. Fait triompher la justice. Créer un art nouveau, fait surgir des chefs-d'œuvre de lettres et de pierres, forger une France nouvelle. Que vous jetez dans l'abîme par votre obstination. Sire, le temps passe vite. Je suis chaque jour moins vaillant. Je sens qu'il me reste peu de moi à me consacrer à votre gloire. Comme votre majesté, je veux la paix. Je m'engage à mettre tout en œuvre pour l'obtenir. Passez le premier, puisqu'on dit que vous êtes le vrai roi. Oui, sire, afin de mieux vous éclairer. Il a mille sujets de se réjouir. Il se complaît dans les difficultés. Pourquoi voudriez-vous qu'un roi se préoccupe de ce qui va bien ? Il veut tenir la main à ce qui va mal. La vérité, c'est qu'il est malheureux et artisan de son malheur. Il a combattu son penchant pour les hommes parce qu'il le jugeait coupable. Et il ne trouve pas plus de satisfaction auprès des femmes. Elles sont plus dangereuses ? Assurément. Il va voir Mademoiselle de Lafayette. Les ténèbres de son couvent, elles règnent toujours sur son cœur. Ne manque jamais de le monter contre moi, contre ma guerre. La reine et ses femmes font aussi mauvaise besogne. Alors susciter un favori? Qui? Cela se trouve. Cela serait un saut dans l'inconnu. Pour que l'élu vous soit fidèle, il suffirait qu'il vous doive tout. Vous croyez à la reconnaissance? Il suffirait qu'il ne soit rien et continue de n'être rien en dehors de vous. Monsieur Mazarini. Qu'il entre. Madame la Duchesse. Éminentissime Seigneur. Quelle nouvelle? La pire. Monsieur le cardinal de la Valette est mort. Mort? À Rivoli, de la fièvre. Après le père Joseph, monsieur le cardinal de la Valette. Après le vainqueur de l'ombre, le triomphateur au grand soleil des champs de bataille. Le chemin n'était pas trop rude quand nous le parcourions ensemble, Capucin, le cardinal et moi. Oh non. Ma route est jalonnée de tombes. Je dirai la messe demain pour monsieur, le cardinal de la Valette, et pour le père Joseph. Je suis seul. 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 Devant un roi dont j'ai perdu l'amitié. Il est plus malaisé de conquérir les quatre pieds de son cabinet que le royaume entier. Seul devant l'Espagne en colère. Seul devant la France, que je contraindrai à devenir elle-même. Le roi est triste. Vous êtes gai. Refuseriez-vous de l'amuser? On le dit si sombre. S'il ne l'était pas, vous n'auriez aucune chance d'être remarqué. Je n'entends rien aux affaires. Votre âge, c'est bien normal. Et puis, vous n'avez pas à vous en occuper. Mais je brûle de servir. Et où pouvez-vous servir plus brillamment que sous l'œil du maître? Vous pourrez chasser, guerroyer. Puis-je savoir pourquoi son éminence a jeté les yeux sur moi? Pourquoi, marquis de Saint-Marc? Parce que j'aime votre famille. Parce que votre père, le maréchal Defia, fut pour moi une aide constante. Et ne me causa de chagrin qu'à sa mort. Vous êtes jeune, ardent. Je vous place sur le chemin d'un grand prince. N'allez pas trop vite. Je veillerai à votre élévation. Comment m'acquitterai-je d'une telle dette?
en prouvant par votre fidélité qu'on peut être à la fois l'ami du roi et le mien. N'employez pas celui-ci, non plus que celui-là. Mais Monsieur de Noyer me disait que ces officiers se battent très joliment contre les Espagnols. N'allez pas confondre les Espagnols avec le comte de Soissons. La guerre étrangère n'est pas la guerre civile. C'est pourtant bien avec l'argent de Madrid que Monsieur de Soissons entre en campagne contre nous. Il est même la dernière chance de l'Espagne. L'Escurial s'est saigné aux quatre veines pour réunir les subsides. Je sais tout cela. Parce que les Espagnols ne peuvent l'emporter par eux-mêmes, ils suscitent chez nous les démons de la discorde. Tel capitaine fait son devoir contre l'envahisseur, qui ne le connaît plus dès qu'on l'oppose à un cousin du roi, à un Bourbon, à un prince du sang de France. Le sang aurait-il ici des vertus magiques ? Assurément. La personne du monarque compte à peine plus que celle des princes. Dès que des insurgés en portent un à leur tête, ils se sentent presque toute la légitimité pour eux. Monsieur le comte de Soissons est loin dans l'ordre de succession. Aucune importance. Et d'autant moins que ce prince présente du sérieux dans sa folie. De rares qualités d'homme de guerre, il a volonté d'accéder aux affaires. Vous semblez presque l'admirer. Non. Je dis seulement qu'un personnage de sa naissance et de sa qualité trouvera partout des complices. Tréville, votre avis ? Je trouve cela plein de bel air. Eh bien, nous ne voulons pas qu'on nous habille ainsi. C'est bon pour vous, mon cher ami. Nous n'avons pas besoin de nous vêtir en petit maître pour plaire à Mademoiselle Marion de Lorme. Que votre majesté remette ses vieux pourpoints noirs. Quant à moi, je ne me suis jamais paré plaisamment pour ébahir les dames. Au fond, Tréville, nous n'aimons que notre armure. Nous l'endosserons volontiers contre le comte de Soissons. Monsieur le comte de Soissons est-il si mauvais ? Par sa révolte, il insulte à notre mission divine et humaine. Écarté des affaires, il pense qu'il pourrait y venir. Le dommage est qu'il ne comprenne pas le génie de monsieur le cardinal. Vous n'êtes pas ici pour faire l'éloge de mes serviteurs. Tréville, merci. Aurais-je le malheur de déplaire au roi ? S'il en est ainsi, je n'assombrirai pas davantage par ma présence. Ne va pas faire ta mauvaise tête. Paris est plein de plaisir. Ingrat. Alors ne supportez pas le spectacle de l'ingratitude. Je t'ordonne de rester. Non, je te le demande. J'ai écrit ce matin un rondeau. Tu seras le premier à l'entendre. Qu'on m'ait exilé, soit. Que je ne puisse plus porter les armes, je le veux bien. On surveille mes courriers, passe encore. Mais ma charge de grand écuyer, je la tiens du roi Henri III. Jamais je ne m'en dessaisirai. Monseigneur de Bellegarde, vous pouvez compter sur de belles compensations. Compense-t-on une charge de grand écuyer ? J'y suis bientôt plus attaché qu'à ma pairie. Que ne crée-t-on ce jeune marquis de Saint-Marc, premier écuyer ? Il ne le veut pas. Il l'a pris de très haut, même avec le roi. Il faut qu'il se sente bien puissant. Notre maître ne peut se passer de lui. Et son éminence tient à le voir comblé. Parlons franc. Vous m'arrachez ma charge. Comme le marquis est maître de sa garde-robe... Je l'ai été. Il prétend que ce serait déchoir que de devenir premier écuyer. Il n'est pas tellement fou. Comment est-il, ce jeune homme ? Il est aimé des dames et passionne le roi. Il a son parti à la cour. Un astre nouveau. Qui cherche parfois l'éclipse ? Qui cherche l'éclipse ? De notre temps, sous les Henri, rien ne comptait que la faveur du roi. Monsieur de Saint-Marc aime à courir la place royale, à voir les belles. Il voudrait s'illustrer aux armées, le roi le retient, le veut sans cesse auprès de sa personne. Alors le marquis multiplie les escapades. Et le cardinal ? Il passe une bonne part de son temps à faire signer des traités de réconciliation entre sa majesté et son favori. Étrange besogne pour un principal ministre.
Le roi est parfois tellement déroutant. Est-ce à son grand écuyer de le dire? Mon cher de tout, je ne suis pas aveugle devant le roi, comme vous devant la reine. Ses malheurs, son esprit, son courage touchent mon cœur, mais je ne lève pas les yeux sur elle. Le roi non plus. Il est avant tout un soldat. C'est fatigant, les soldats, quand ils ne sont pas à la guerre. Voyez-vous les cardinaux plus reposants? Monsieur de Tréville, vous parlez trop. J'aime votre confiance, mais je place la mienne autant dans son éminence que dans le roi. Seriez-vous quelque peu danseur de cordes? Le roi ne visite plus. Mademoiselle de Lafayette et Madame de Hautefort est hors de cour. Il fallait bien que Sa Majesté choisisse. Choisisse. Entre ces demoiselles et moi. C'est forcément ici qu'aura lieu la rencontre. Ici, au village de la Marfée. Pour l'armée de Monsieur de Soissons, c'est un passage obligé. Si les troupes de Votre Majesté plient, Je supplie Votre Majesté de m'excuser si je demeure assis. Ma fatigue. Et puis, c'est en Espagne le privilège des cardinaux. Je l'avais oublié, monsieur, étant devenue toute française. Je salue la princesse de Gonzague. Qu'il me soit permis de dire la joie que j'éprouve en apprenant que la reine va donner un nouveau prince à la France. Prions à Dieu qu'il soit moins grognon que son aîné. Il ne fait que hurler et se débattre dès qu'il nous voit. Sire, il est encore si petit. Cet enfant n'est pas élevé dans l'amour de son père. Non, sire. Nous savons bien ce que nous disons, mais nous trouverons bien un moyen de le soustraire à une influence pernicieuse. Monsieur le Dauphin est, comme tous les enfants, victime de sa timidité, mais cela n'implique point qu'il manque d'affection pour son père. Nous en reparlerons, monsieur le cardinal. Il est bien affligeant d'être si malmené dans sa famille. Monsieur, s'il en était ainsi, on pourrait du moins affirmer que vous trouvez des dérivatifs à votre malheur. Il vous étonne de me voir arbitrer de médiocres querelles entre Sa Majesté et le petit Saint-Marc. Comprenez que ces menues besognes aboutissent à de grandes choses. Les péchés commis auprès du roi cessent d'être des péchés dès l'instant qu'ils favorisent une juste cause. Le grand écuyer est un joli jeune homme, sans autres ambitions que les charges de cour. Mais grâce à lui, nous sommes à l'abri des entreprises du parti espagnol, dans l'intimité du souverain. Je plains votre génie de se condamner à ces misères. Que veut-il, celui-là? Parlez, monsieur. Monsieur le comte de Soissons a totalement rompu notre armée au village de la Marfée. À l'heure présente, il doit marcher sur Paris. Je vous remercie. Allez! Monsieur de Noyers, n'avions-nous pas décidé de prendre quelques sûretés concernant monsieur de Soissons? Je m'étonne. L'un de nos fidèles aurait-il mal interprété nos instructions? Elles me paraissaient suffisamment nettes. La Providence n'aurait-elle pas voulu que le rebelle soit approché dans son camp? Votre éminence aurait grand tort de s'inquiéter. Vous savez ce qu'exigera monsieur de Soissons. Il gagne à être connu. Il suffit de posséder sur lui un peu d'influence. Ce prince n'a point si mauvais naturel. Il va marcher sur Paris. Est-ce si important si je vous affirme qu'il ne sera point touché à un seul cheveu de votre éminence? Vous pensez pouvoir, monsieur le grand. Vous protégez, monsieur le cardinal, contre des entreprises dictées par des rancœurs anciennes. Croyez-vous que j'ai oublié tout ce que je vous dois? Pour moi, je me souviendrai de la nouvelle preuve d'excellent naturel que vous venez de me donner. C'est bien le moins, éminence. Et encore une fois, ne vous mettez pas Martel en tête. Monseigneur,
La Providence n'a pas voulu que monsieur de Soissons exploitât sa victoire. L'affaire s'entoure de ténèbres. Il inspectait ses gens sur le champ de bataille. Quand il est passé de vie à trépas. De vie à trépas, oui. Il faut courir chez le bonhomme Renaudot. Lui rappeler la fâcheuse habitude de monsieur de Soissons. La fâcheuse habitude? Oui, la fâcheuse habitude de toujours relever la visière de son casque avec son pistolet. On peut faire cela 100 fois et un jour le coup part. Courez vite, monsieur de Noyers, portez la nouvelle pour la Gazette. Mon cher Rochefort, il est heureux que la cour et la ville aient appris la victoire de Soissons avant de connaître son trépas. Tout à l'heure, l'un des 100 000 complices du rebelle, le plus insoupçonnable, s'est révélé avec une tranquille impertinence. Il était temps que les écailles me tombassent des yeux. Si c'est pour les faire mage... Sommes-nous dans l'habitude de les percevoir nous-mêmes? C'est vrai. Vous avez toujours une armée d'intendants. Ils sont pas pires que les commis de l'impôt. On dit ça... Ouais, fous-moi la paix. La paix, d'habitude. Faut supplier les seigneurs pour qu'ils nous l'accordent. Ne va pas faire le raisonneur. Il y aurait pourtant de quoi. Tu es si malheureux que ça? Oh, pas au point de manquer de châtaigne, non. Elles ont l'air d'être bonnes. Ça vous changera des ortolans de la cour. La cour. Depuis que l'homme rouge y fait la loi. Il y a plus de place pour vous. Et ça t'amuse. Pas vouloir aux petits de s'amuser quand on abaisse les grands. Je vais te dire. Il vaut mieux un seigneur qu'on connaît et avec qui on s'explique qu'un ministre qui ne connaît personne. C'était comme ça avec les deux Henri. Et tu étais moins malheureux. Ne me dites pas que c'était tous les jours la fête. C'est pas tous les jours la fête. Ce n'était pas la mort. Bien sûr. La force de couper les têtes qui dépassent, le Richelieu en arrive à tailler dans les petits. Mais est-ce qu'il croit en Dieu, cet homme-là? Il croit en lui, en sa chance, en sa fortune. Et le roi laisse faire, paraît qu'il est bon pourtant. Oui, il est bon. Enfin, il l'était. Je vais te dire, au fond, il te ressemble. Il me ressemble? Il a besoin d'un maître. Je m'en passerai bien, moi. Tu ne vas pas prétendre que tu es tombé sur le plus mauvais. Peut-être point. Mais ce que je sais, c'est que j'aime mieux vous donner mes châtaignes que de les voir manger par l'homme rouge. Mais que dirait-on si l'on nous voyait? On n'aurait rien à dire puisque nous allons nous marier. C'est mon plus cher désir. Mais ma naissance fait de cette union une affaire d'État. Je suis princesse souveraine et il faut que le cardinal consente. Il dira oui. Bien sûr qu'il dira oui. Que peut-il me refuser? Eh bien, son mariage avec Marien Delorme. Un mariage clandestin ne compte pas, les bans n'avaient pas été publiés. Passer à une princesse souveraine, une ascension a donné le vertige. Henri me fait peur. Je ne crois pas que la princesse Marie ait tellement oublié sa naissance qu'elle veuille s'abaisser à épouser si petit compagnon. Mais vous devez vous souvenir que vous êtes un simple gentilhomme élevé par la faveur. Je ne sais comment vous pouvez prétendre à une telle alliance. Ma mère ne s'oppose pas, au contraire. Elle considère que fils de maréchal de France, je puis aspirer... Si vous dites vrai, votre mère est une folle. Et si la princesse de Gonzague songe à un tel mariage, elle est encore plus folle que votre mère. Allez. Et ne m'entretenez plus de sottises. Bien. Vous vous êtes montré un peu rude. Je me suis montré comme il convenait. Marie de Gonzague donne volontiers dans l'intrigue. Et il m'appartient d'interdire les mésalliances. Elles constituent un désordre. Oui, mais vous pouviez l'expliquer. Et je m'expliquais devant un Saint-Marc. Il intriguera. Il a déjà intrigué avec feu monsieur de Soissons. Cela ne prête point à conséquence. Le hais. Grâce. Il fait la bête.
j'obtiendrai sa disgrâce. Ce serait difficile en paix, c'est impossible en guerre. À la demande des Catalans eux-mêmes, là d'Olivares, les hostilités vont devenir plus chaudes. Alors j'obtiendrai plus. Vous perdez la raison. Non, je la retrouve. Il s'est servi de moi comme d'un pantin. Songez au destin de ceux qui vous ont précédé dans cette lutte. Croyez-vous qu'un Saint-Marc connaisse la peur? La prudence n'est point la peur. Ne place pas tes pistolets aussi en arrière. En cas de surprise, tu ne peux pas le tirer. À la guerre, c'est la rapidité qui sauve. Nous vous félicitons, monsieur. Voici une troupe bien tenue. Ces 6 mois de campagne ont été profitables à nos armes et vous n'avez pas contribué médiocrement à nos succès. La Catalogne, dans le sein des Pyrénées, est à nous et le Roussillon reste Perpignan. Tant de victoires nous rendent l'initiative de proposer la paix. Allez. Pour déclarer la guerre, il suffit d'être un. Pour faire la paix, il faut être deux. Et monsieur d'Olivares, rossé, battu, fourbu, ne veut rien entendre. Ce n'est pas monsieur d'Olivares. Alors qui? Le cardinal? Bien sûr. Point de paix sans son renvoi. Tout beau. Pas si vite. Le cardinal est le plus grand serviteur que la France ait jamais eu. Nous saurions nous passer de lui. Le jour où il se déclarerait contre vous, nous ne pourrions même pas vous conserver. Il s'opiniâtre dans la guerre. Nous l'avons déjà contraint à faire des ouvertures. Sont-elles jamais satisfaisantes, sire? Qui pouvons-nous? Votre Majesté ne peut-elle s'assurer par elle-même que ces ouvertures sont faites et bien faites, ou au besoin en faire donner de nouvelles? À cela, nous consentons. Et nous donnons licence à monsieur le grand écuyer, ainsi qu'à monsieur le conseiller de Thou, d'écrire eux-mêmes à la cour d'Espagne. Il est vrai. Monsieur le grand va bien vite en besogne. Je vous aime trop pour lui souhaiter quelque inconvénient, mais la démarche paraît hasardeuse. Il est très sûr du roi. Mon beau-frère Gaston, une bonne dizaine de ducs. Les Huguenots eux-mêmes disposés à une prise d'armes contre monsieur le cardinal. Voilà qui devrait amener toute l'Espagne, mon frère et son ministre, à soutenir de leur or et de leur mousquet cette nouvelle tentative contre l'homme rouge. Peut-être n'en faudra-t-il pas tant. Que voulez-vous dire? Monsieur le grand ne désespère point d'amener sa majesté à prendre d'autres résolutions. Nos architectes Lambine, je voudrais qu'à notre retour de campagne, Paris bien reconstruit et pris son nouveau visage. Éminence. Simplement cette incommodité que je ressens m'asseoir. Arrêtons-nous. Il ne faut jamais s'arrêter. Le temps, lui, ne s'arrête pas. Non plus que nos ennemis. Il y a toujours des gens pour n'aimer que le passé. Ce peuple comblé par la Providence adore se retourner contre lui-même. Les Parisiens veulent en rester au Moyen-Âge et ils n'y resteront pas. Les Normands ne veulent plus payer d'impôts. Et ils les paieront. Les capitaines ne veulent plus faire la guerre. Et ils la feront. Les écrivains négligent les règles de l'Académie et ils les observeront. Les princes et les grands veulent un roi pour eux seuls. Et il sera le roi de tous. Nous voudrions qu'il y eût un parti contre lui en France. Comme il y en avait eu un, jadis, contre le maréchal d'Ancre. La maladie l'exaspère, sire. Non, parce qu'il est peut-être le seul à subir la maladie. Chassez-le donc. Le chasser? Il a ses fidèles. On parle maintenant de royalistes et de cardinalistes. Puisque vous en êtes là, il vous reste la voie la plus courte et la plus sûre. Le faire dépêcher quand il arrivera ici, ses gardes n'entrent pas. Il est cardinal et prêtre, et nous serions excommuniés. Pourvu que j'ai l'aveu de votre majesté, je ne m'en mettrai pas en peine. Le coup joué, j'irai à Rome m'en faire absoudre. Je suis sûr d'y être bien reçu. Oh,
Merci, Rochefort. Le détail présente son intérêt. Maintenant, prenez la route d'Espagne. Vous avez toute chance d'y rencontrer un ou deux seigneurs qui négocient en secret au nom du roi. Je ne suis pas certain que ce soit réellement au nom du roi. Accepteriez-vous une partie d'échecs? Monsieur Robard. Excusez-moi, monsieur. Le roi m'excusera, mais mon état de santé, comme les humeurs de son entourage, m'interdisent de me déplacer seul. Je dépose une heureuse nouvelle aux pieds de votre majesté. Monsieur le maréchal de Brézé est entré dans Barcelone. Demeurons-nous? Je ne sais, mais cela va grandement faciliter notre présence en Roussillon. En traitant, cela nous donnera une monnaie d'échange. Si Madrid consent jamais à traiter. Monsieur d'Olivares ne veut se prêter à aucun accommodement. Roussillon, entrer dans le royaume. Votre éminence aussi le verra. Elle va guérir. À quoi bon? Ma nièce m'écrit que le roi n'attend que ma guérison pour me faire arrêter. Va-t-il un pied dans la tombe compromettre les résultats de son règne? Je ne suis pas le seul à souffrir les affres de la maladie. Espagne. On y signe des traités entre les partisans de monsieur frère du roi et le comte duc d'Olivares. Quel partisan? Le petit Saint-Marc? Je ne sais pas. Mais le moment où le traité a été signé correspond à l'absence d'un ami de monsieur Saint-Marc, le marquis de Fontrailles. Ce n'est pas une preuve. Non, mais une présomption. Et il s'en ajoute une autre. Ce Fontrailles, après une brève apparition à Perpignan auprès de Saint-Marc, a de rechef quitté la ville. Bien. Il existe forcément des copies du traité. Les copies. Un texte pour monsieur, un texte pour monsieur de Bouillon, et selon toute vraisemblance, un texte pour la reine. Noyer, vous mériteriez de devenir premier ministre. Votre éminence est trop bonne. Ce n'est pas ce qu'on affirme généralement. Et bien sûr, Noyer, bien sûr, vous avez là la clé de l'affaire. La reine. La reine. Mais quel moyen possédez-vous, éminentissime, pour faire pression sur la reine? Un seul. Le roi. Qu'importe s'il s'affirme là de ma domination, s'il balance entre ma personne et mes ennemis.
L'instant que ceux-ci se donnent au roi d'Espagne, je redeviens à ses yeux le seul défenseur du royaume. Pourquoi mes enfants paieraient-ils pour les folies des conjurés? De la princesse Marie et de monsieur de Saint-Marc. Le roi veut me les arracher à la demande du cardinal. Mais ils sont si petits. Ils ne pourraient vivre éloignés de leur mère. Seigneur et mon Dieu, pardonnez-moi. Je vais plonger mes amis dans l'affliction, mais les devoirs d'une mère passent avant les complaisances d'une avis. Au demeurant, la lutte contre monsieur de Richelieu est-elle si juste? Il ne m'aime point parce qu'il m'aime trop. Mais sans lui, serais-je l'épouse d'un grand roi? Sachant quel cœur vous mettez à détourner le roi du plus cruel des projets, nous vous faisons tenir copie d'un traité que la Providence a fait tomber dans nos mains. Vous y trouverez les noms de ceux qui en veulent à l'État et à votre personne. Allez chez le roi. Il va se récrier, vous demander des preuves. Vous les lui fournirez. Et vous obtiendrez sans peine l'arrestation du conseiller de Toux, de quelques autres et de monsieur Legrand. Éminence, preuve en main, je peux perdre n'importe qui dans l'esprit du roi, sauf monsieur de Saint-Marc. Et pourquoi? Parce qu'il est pour sa majesté l'unique récréation, le seul printemps. Les vieillards n'ont plus de printemps. Peut-être. Mais les priver de leur espoir peut les tuer. Apprenez que chez le roi, les devoirs du souverain l'ont toujours emporté sur les passions du particulier. Vous ferez mener monsieur le conseiller de Toux et monsieur de Saint-Marc à Lyon. On pressera l'affaire. On fera croire à l'un que l'autre a tout avoué. Et justice sera faite. Non, 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 monsieur de Noyers. Que monsieur le grand écuyer nourrit quelques ressentiments ou quelques mauvais desseins envers le cardinal, peut-être, mais se mettre à la solde de l'Espagne, pas ça, et pas lui. Sans une certitude absolue, aurais-je le front de me présenter devant votre majesté? Je connais trop le cardinal. La certitude n'est pas la preuve. Peut-être a-t-on mis un nom pour un autre. Nous avons procédé à toutes les vérifications, à toutes les expertises. Le nom, c'est bien celui de monsieur de Saint-Marc. Quel saut a fait monsieur Legrand? Le roi me permettra de lui rendre compte d'autres affaires. Monsieur le chancelier Séguier voudrait que l'on trouve bonne une simplification des formes de justice dans les affaires normandes. Monsieur de Bouillon, à Sedan, s'agite fort. Le comte duc d'Olivares suit avec une inquiétante attention. Quel saut a fait monsieur Legrand? Quel saut a fait monsieur Legrand? Le roi me donnera-t-il ses ordres? Ils arrêtent tous. Mais pas d'esclandre. Nous le prendrons au logis. Pour plus de sûreté, je fais fermer les portes de la ville. Hé. Hey. Très vite. Ce sera facile, sire. Une porte restera de toute façon ouverte pour laisser passer le train du maréchal de la Meilleraie. Que faites-vous? Restez planté là! Aidez-moi à faire les beignets!
monsieur de Saint-Marc s'est laissé prendre au lit. Mais la porte. Il avait envoyé son domestique pour la reconnaître. L'autre ne l'a pas trouvée, alors il s'est couché. Quel saut a fait monsieur Legrand. Cardinal de Richelieu. Sa Majesté me pardonnera-t-elle de venir prendre ses ordres en pareil arroi ? Je suis dans l'habitude de beaucoup vous pardonner. Laissez-nous. Où sommes-nous de la grande conspiration? Tout va au mieux des désirs du roi. Il lui faut pardonner à son frère. A-t-il déposé contre ses complices? Oui, sire. C'est pourquoi je conseillerais d'augmenter ses pensions. Soit. Mais le duc de Bouillon ne peut s'attendre à ma clémence. Pourtant. Les Espagnols ont trop à faire ici pour lui porter secours. Nous n'avons rien à craindre. Il est perdu. Alors faites-lui grâce contre la remise de sa principauté souveraine de Sedan. Monsieur le cardinal. Sire. Étendons cette clémence. À tous les conjurés. Ce serait sans profit pour la couronne et préjudiciable à sa dignité. Seriez-vous donc plus enragé que nous de la grandeur de notre royaume? Il était trop petit pour votre majesté. J'ai voulu qu'il soit assez grand pour elle. Et pour votre gloire? À l'heure présente, je pense plutôt à mon salut. Vous aurez donc toujours le dernier mot? Je l'ai toujours laissé à votre majesté. Osez-vous affirmer que vous ne m'avez point tyrannisé? J'ai conseillé, parfois. Vous avez ordonné, toujours. Une roue de charrette, paraît-il. Les amis de monsieur de Saint-Marc l'ont mis en bel état. Pour qu'il ne puisse pas officier, sottise. Lui est vraiment un homme de l'art. On est allé quérir un portefeuille. Il a scié le col de monsieur Legrand. Et pour monsieur de Tours, il s'y est repris à 5 fois. Une boucherie. Des Césars disparus dans le dénuement. Votre éminence venait de lui faire tenir 100 000 livres. Pour elle, c'était un déjeuner de soleil. Elle en témoignait assurément de la reconnaissance puisqu'elle voulait que son perroquet. Son perroquet. Qu'on se hâte de me le faire tenir. On n'en séparerait jamais. Pour faire sauter les ponts. Rien n'est assez grand pour lui.
Nous allons voir ma Sorbonne. Bien raisonnable. Ma Sorbonne. La reverrai-je? Assurément, mais pas aujourd'hui. C'était une bien vieille maison quand je m'y formais aux humanités. Une vieille maison comme la France de ce temps-là. Mais comme la France aussi, elle demeure inachevée. Seuls les ornements lui font encore défaut. Le bâtiment est solide. Est-il à l'épreuve de tous les orages? Le temps, toujours, m'aura manqué. Il vous manquera plus encore si vous me consentez à prendre des forces. Les médecins ne répondent pas de vous pour 3 semaines si vous ne vous accordez du repos. L'État ne m'en accorde point. Seigneur Mazarin, allez inspecter nos travaux. Les grandes affaires du royaume doivent demeurer au jour, mais nos petits secrets disparaître. Aidez-moi. Pour moi, je n'en use aucun. Mais j'ai connu ceux des autres. Tais-toi. Écoute-moi. Tu ne veux rien entendre. Tu es un sot. Il est vrai qu'elle-même manquait parfois de lumière. Est-ce ma faute si elle apportait le désordre dans l'état? Nous ne voyons plus monsieur de Tréville, non plus que monsieur des Essarts. Ils reviendront quand le cardinal aura passé. Nous lui devions bien la satisfaction de leur éloignement. Mettez en grande affliction. Mais, grâce à Dieu, vous êtes revenu d'incommodité plus grave. Non, sire. Il ne me reste qu'à bien me préparer. Allons, monsieur le cardinal, vous qui n'avez jamais désespéré. Sire, il est temps de n'espérer qu'en Dieu. Acceptez cette maison. On l'appelait le palais cardinal, qu'elle devienne le palais royal. Conservez ma chapelle d'or enrichie de diamants et mon buffet d'argent. Continuez, s'il vous plaît, d'employer ceci. Et daignez conserver votre protection à ma famille. Vos recommandations nous seront sacrées. Encore que nous espérions ne pas avoir de si tôt à être vers Troyes. La prise de Perpignan et la victoire sur les ennemis de l'État ont montré combien Dieu aime votre majesté. Sire, c'est le dernier adieu. En prenant congé de mon roi, j'ai la consolation de laisser son royaume dans le plus haut degré de gloire où il ait jamais été. Et tous ses ennemis humiliés et abattus. Il ne m'a jamais fait confiance. Maintenant, si. Il sait que le roi ne vivra plus guère et que c'est vous qui défendrez l'héritage. Écrasant héritage. La femme d'un roi ne reçoit que des hommages. La mère d'un roi est chargée de devoirs. Je ferai tout pour mon fils. Il le sait. Mais le domaine est si grand. Mais il est mieux protégé. L'Artois, Sedan, l'Alsace, le Roussillon sont nos remparts. Et nous finirons bien par habituer la Lorraine et la Savoie à nous appartenir. Pour garder ses trésors, il faut être riche. Il a prévu cela.
Il vous laisse du sucre et des épices, de l'or, les Antilles, le Canada et des établissements prospères. Et je serai seule pour conserver tout cela. Il m'a ordonné de ne pas vous laisser seule. Vous lui obéirez. Il a pensé qu'un petit Italien serait utile à une grande Espagnole pour préserver la France. Ma nièce, mon confesseur, a voulu me faire avouer que j'avais porté de l'acharnement contre mes ennemis. Est-ce stupide? Je n'en ai jamais su d'autre que ceux de l'État. Je le proclamerai face à la terre et au ciel. Vous avez une trop grande tendresse. Souvenez-vous que je vous ai estimé et aimé plus que personne. Et retirez-vous, car il ne serait pas à propos. Une religieuse a contemplé le ciel. Elle affirme que vous survivrez. Je survivrai dans la grâce de Dieu et la mémoire des hommes. In manus tuas, Domine.